si on pouvait avoir un peu de chance, on le verrait sortir. Qui? Ben Elvis, tiens. Qui? On est ici quand même pour Elvis, non? Papa. Ouais, quoi? Elvis, ça fait plus de 40 ans qu'il est mort. Quoi? Ça fait plus de 40 ans, il est mort en 77. Enfin, il n'y a jamais personne qui m'a rien dit. Il n'y a jamais personne. Ah ouais? Enfin, je sais bien que t'as bien Elvis passé, mais c'est quoi la dernière fois que t'as écouté un de ses disques? Je crois que c'était il y a deux jours, j'écoutais un CD encore. Un CD? Oui, un CD. Ah ouais, d'accord. Ah, tu sais que Michael Jackson aussi, il est mort. Là, tu peux mettre l'énergie. Il faut au moins 10 ans qu'il est mort, Michael Jackson. Mais il n'y a jamais personne qui m'a rien dit non plus. Et en plus, j'ai écouté aussi un CD il y a quoi? 3-4 jours. Quel titre? Village. Allez, quoi? Tu savais aussi que Louis Armstrong est mort? Bon, bah là, tu fais n'importe quoi. Louis Armstrong est mort. Tu me les fous tous là, tous bah, là. J'y peux rien. Mais c'est quoi le dernier titre que t'as écouté, Louis Armstrong? À 78 tours. À 78. Bah ouais, bah c'est ça, le Louis Armstrong. J'ai écouté à 78 tours. Tu t'informes de temps en temps? Oui, bah bien sûr. Tu regardes la télé de temps en temps? Tous les jours, je regarde la télévision. Comment que je te regarde la télé? Mais un mire avec le son. La mire, c'est quoi la mire? Mais la mire, c'est l'image fixe et sur laquelle on réglait toutes les... À la boule? Ouais, ou il y a la boule ou tout. Oh là! Ah bah oui, mais attends, t'as 40 ans de retard, hein, papa? Oh là là, mais tout ça c'est fini, on est à l'écran plat, ils sont tous morts, tous les artistes ils sont morts depuis longtemps. Oh, oh là là! Là, tu me fais de la peine, là, Bah ouais, mais c'est comme ça, tiens-toi au courant, hein, papa! Et alors, c'est quoi ces écrans plats? Je te montrerai, viens, je t'explique, viens. Viens, on va rentrer à la maison, t'es fatigué, mon ami. Ah ouais, on va rentrer à la maison, ok, ça va. Bon, là, on a eu chaud quand même, hein. Putain, si on a eu chaud. C'est le moins qu'on puisse dire. On a trouvé une station-service, mais ils abusent, hein. C'est une station qui est au milieu de nulle part. C'est la première fois qu'on doit faire autant de kilomètres pour voir une station-service. Tous les prix sont les mêmes parce qu'on a vu l'essence en général à 2,55 le gallon, qui est un peu moins de 4 litres. Et là, on l'a 2,89. On a même vu à 2,99, mais là on n'a pas le choix parce que j'ai plus que 55 km d'autonomie. Enfin 55, c'est ce qu'il te dit. Ah, il fait bon dehors, hein. Ouais, il fait bon dehors. Hein. Pourquoi tu vas mettre le moteur en route? Ah, parce que en plus tu fais le bourrigaté maintenant. Il faut que j'aille chercher la voiture. Ah, donc t'as la clé. Ouais. Donc moi j'attends que tu la mettes en route. Oh, tiens. Tu l'as voulu. Tu aimes bien conduire toi aussi. Oui, j'aime bien conduire. Allez, prends. Moi c'est des voitures de luxe que je conduis. Ah, il y a un V6 dedans. Oui, alors parce qu'il y a un V6 dedans. Tiens, je t'ouvre la porte. Regarde. Voilà. Tiens. Allez, vas-y. Non, vas-y. Ah, parce que c'est moi qui dois rentrer pour mettre la clim pour que monsieur puisse s'asseoir. Dans... Et tu viens me chercher jusqu'ici. On appelle ça de l'abus de pouvoir. C'est de l'abus de pouvoir. De la pute de pouvoir. Non, c'est... j'ai juste glissé sur la... Ouais. Bon, ben écoute, à tout de suite. T'attends, hein. Ouais, tu m'attends, ouais. Ouais, ben si ça se trouve, je t'attends pas, tiens. Je m'en vais sans toi. Allez, ciao. Amuse-toi bien, hein. Je t'attends, je vais sur la route 66. Bon, allez, ciao, hein. Bon, il y a tout ce qu'il faut, il y a un Subway là, tu peux manger, tu peux boire. T'as vu la publicité? N'abandonnez pas vos parents sur la route. T'as une puce? Bah ouais, comme les animaux. Ah bah tant pis, voilà. Bah ciao. Désiré? Eh ouais, alors? Il fait chaud dehors, hein? Ouais, il fait bon dans la voiture. Ah, il fait bon dans la voiture. Ah, il fait, hein, bon, ah, il fait bon dans la voiture. La tête à l'intérieur, le corps derrière. Bon, allez, je m'en vais, hein? Ouais, bah écoute, tu t'en vas, mais moi je me mets ici. Bon. Bon, tu viens ou pas? Bon, tu t'en vas avec un jambon sur ta portière. Ouais, c'est ça. Allez, viens. C'est qui le héros de ma chaîne? Ah bah, c'est toi. Il serait pas question que tu me voles la vedette, hein. Tout à fait. Bon, on va où? J'ai pas l'intention non plus. On va peut-être à Saint-Louis? Non, j'ai pas l'intention de la voler, la vedette. C'est vrai? Non. C'est qui la vedette? Toi? J'avais sommeil et maintenant je n'ai plus. Alors moi non plus, je suis pas fat...
Moi, je suis vraiment bien repos. Ça se voit. Là, vraiment, je suis en super forme. Une chose qui est super sympa dans les motels américains, c'est qu'on trouve souvent des machines à laver dans lesquelles on peut laver son linge et faire le lavage intermédiaire. Ça t'évite de prendre trop de vêtements à la fois. Et ici, effectivement, pour 1,50$, tu peux laver ton linge. 1$ de lessive, ça fait 2,50$. Et si tu dois le sécher, c'est encore une fois 1,50$. Donc pour 4$, tu peux laver ton linge. Super sympa. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'ici, je suis dans cette chaîne d'hôtels que je ne connaissais pas. On vient ici pour la première fois. En entrant, je dis que je viens là pour la première fois. Et comme les Américains ont un sens du service très développé, si tu viens et que tu dis que tu viens là pour la première fois, ils vont encore plus faire leur possible de te faire plaisir. Déjà, ils sont super sympas. Et là, on a dit qu'on faisait notre lessive. Elle nous offre la lessive. Et elle nous offre le séchage. Elle a dit, allez vous coucher, la lessive, vous me la donnez quand c'est fini. Moi, je m'occupe du séchage, ça ne vous coûtera rien du tout. Les boissons, on peut en prendre tant qu'on veut. Le popcorn, on peut prendre comme on veut. Enfin, voilà, c'est super. Je mets les coordonnées de cette chaîne en bas dans la description. En tout cas, jusque-là, on a une bonne première impression. La literie a l'air vraiment très bonne. Oh, oui. Les chambres sont propres, modernes. Salle de bain, super. Donc, bonne première impression. Donc, parce que l'hôtel est bien, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Parce que, bon, c'est pas mon hôtel, mais c'est génial parce que je viens de te donner une super information. Oui, tout à fait. Et moi, je vais quand même ajouter, je suis content d'avoir que nous ayons trouvé cet hôtel. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'étais venu en voyage avec deux caleçons. J'étais avec mon deuxième depuis déjà je sais pas combien de temps. Et ça commençait à sentir bon dans la voiture. Bon, donc maintenant je suis content. T'as réussi à l'enlever, il est pas trop rigide. Oui, ça a été très difficile. Hein. Mais en sautant, c'est tombé tout seul. Heureusement que t'as pas les odeurs là, parce que... Où les odeurs? Mais je sens rien, c'est toi là qui sens là. Non, c'est pas vrai. J'en ai pas deux caleçons. Non, il y en avait qu'un. J'en avais qu'un. Allez, remettre tout ça dans la machine. Okay. Allez. T'as vu, si les machines, ça tourne. Ah, ça, je vais mettre là-dedans. Ça demande un lavage. De toute façon, mets pas ton linge en boule, il lavera mieux si tu ne mets pas en boule. Bon. Bon, tu vois, donc ça, c'est, ça tourne ici. C'est pas un tambour comme chez nous. Ouais, ouais. Donc ça, ce sont des quarters 25 cents. On met là. Oh, le savon. Ah, oh, ah bon, d'accord. Eh ben, le savon. Voilà, on a le savon. Ouais, attends. Ah oui, c'est pas... Ah bon? Regarde, c'est des blocs. Oula. Bon, ben voilà. Allez, hop. C'est pas tout à fait la boîte aussi. C'est pas tout à fait comme chez nous. Ben non. Et à mon avis, ça va pas être de l'économie de dos. Non, je pense pas non plus. Ben voilà, et apparemment ça va que 28 minutes. Ouais, c'est ça ce qu'elle a dit, une demi-heure. Ah ouais. Une demi-heure. Voilà. Bon bah écoute, dans une demi-heure on revient et on donnera la lessive. Oh, ok, ça va. Voilà, c'est parfait. Moi je trouve que la vie est belle. Moi, ce que j'adore aux États-Unis, c'est le sens du service. Et les Français critiqueront souvent les Américains en disant ouais mais ils font ça pour le pourboire. J'en ai rien à cirer. Ils le font parce que même son pourboire, ça fait partie de leur culture. De toute façon. Les Français, dès qu'ils voient quelque chose de sympathique, ils le critiquent. Quand je vais en Asie, quand je dis que les Asiatiques sont gentils, ils disent « Ouais, mais bon, c'est hypocrite. » Mais en attendant, c'est tellement plus agréable d'avoir affaire à des gens gentils, que ce soit civique ou que ce soit pour le pourboire. C'est tellement plus agréable d'avoir affaire à des gens qui sourient, qui vous aident, et quelle que soit la raison. Et moi, ce qui me frappe, c'est que les Français vont toujours vous trouver une excuse pour vous dire pourquoi ils sont gentils, et pourquoi c'est pas sincère, et pourquoi c'est pas honnête. En attendant, j'aimerais qu'on sourie comme ça en France. Que ce soit civique ou pour le pourboire, ça me ferait bien plaisir et ce serait bien plus agréable pour tout le monde. Et moi, je suis entièrement d'accord. Ça va, peinard? Ouais. Ça va? Pas trop dur là? Ouais, ça passe ses limites. Hein.
192 mètres d'architecture. Pas mal, hein? C'est impressionnant, tu lèves la tête là. Ouais, ouais. Et puis tu, si tu te rabaisses pas, ben ça donne le vertige. Alors Saint-Louis? Saint-Louis? Ouais. Bah, c'est une belle ville, hein. Punaise. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, je montais les escaliers. J'étais en train de dire c'est vraiment une très très belle ville. Très belle ville. En fait c'est une ville provinciale, ouais. Mais elle vaut la peine d'être visitée. Ouais. Très 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 jolie. Alors on est ici en dessous de l'arche. Et cette arche est impressionnante. Et c'est impressionnant. Exactement. Puisque le soleil là, il est grand là, il est midi, hein. Quelle heure il est? Il est à peu près midi là. Ah, midi, une heure. Moi, en tout cas. Je suis baladé le long du Mississippi jusqu'au pont. Et puis eh ben, les images que tu vois là, ben, c'est avec le drone et c'est vraiment splendide à regarder. Oui, j'espère. Vous regardez ça ce soir, là, quand on sera à l'hôtel pour voir. Oui, mais toi, tu regardes maintenant. Oui, mais non, mais je veux dire. Nous, on regarde ce soir, mais celui. Le vol. Ah oui, d'accord. Ouais, mais alors, là, tu es en train de regarder, tu vois les images. Tu parles à tes lecteurs, à mes abonnés. À tes abonnés. Voilà. Ben, nous, au moment où on enregistre, nous, on va voir ça ce soir. Mais toi, tu vois ça maintenant. Ouais. Tu m'as compris ou... Oui, oui, ça, non, ça va, n'insiste pas. Bon, d'accord. Non, parce qu'avec le soleil, ça peut être dangereux. Enfin, ça va, t'as bien. Je peux faire un vol d'hélicoptère de 3 minutes. 3 minutes, hein, oui, il va pas loin. Moi, je dis que c'est une ville à conseiller parce que franchement c'est très joli. Elle est agréable, c'est une ville agréable. Et riche en histoire, vu le nombre de vieux bâtiments qu'il y a. En plus, oui. Riche en histoire. Allez, on continue. Salut les abonnés. Alors ça, c'est le couple Scott. Un couple qui s'est battu pour leur liberté, des anciens esclaves noirs. Et d'après ce qu'on lit ici sur cette plaque, c'est qu'en 1846, dans ce tribunal, il a été décidé qu'ils n'étaient pas des habitants des États-Unis. Ça a même été jusqu'au tribunal d'État, et jusqu'en 1857, où ils ont donc décidé qu'ils n'étaient pas des habitants des Américains. Donc ils n'avaient pas cette nationalité américaine. Et donc leur lutte pour la liberté de tous les esclaves, noirs et afro-américains, a mené, entre autres, ça a été une des raisons pour laquelle la guerre de sécession a été déclenchée. Et donc ils se sont battus toute leur vie pour la liberté des noirs et surtout les mêmes droits que les blancs. Donc ce sont ici des personnages historiques et des héros pour certaines personnes, bien entendu. Donc bravo, monsieur et madame Scott. Tout à fait. C'est aussi un plaisir d'en arriver ici. Moi j'ai mis mes pieds dans le Mississippi. Bon, j'aurais dû faire une photo de moi-même comme ça, c'était pas évident. Il y a une jeune fille qui s'est venue se présenter spontanément. Photo? Ah oui, ouais, photo. Alors moi je fais pareil avec eux. Quand je vois qu'ils ont un peu de difficulté, je leur demande s'ils veulent faire une photo aussi. T'en as pas marre d'être gentil? C'est exactement ce que je vais te demander. Ah oui, je vais commencer à être méchant. Ouais. Donc qu'est-ce que je fais quand je vois un qui filme, je prends son appareil et bam! Voilà, dans la flotte de préférence. Chaque épingle, depuis le 1er mars 2018, sont tous les touristes qui sont venus de là où sont les épingles. Donc on va chercher des épingles, on va mettre la nôtre. T'as déjà pris d'épingles? Non, pas encore. Mais j'étais au BP. Rodez, là, il y a de la place pour moi. Ah ben ouais, moi je vais mettre le mien, il n'y a pas grand chose. Je vais le mettre entre les deux. Voilà. Au-dessus de Toulouse, hein? Ouais. Voilà. Il faudrait faire une plus grande carte, il faudrait leur demander. Ouais, carte. Aussi, quand même. Et donc moi, attends, je regarde où est ma maison. Voilà, ici, là, voilà. Tu vas nous faire des coups pareils tous les jours maintenant. Hier l'essence, aujourd'hui, franchement. Hein. Bon, là je rigole. Ah ouais, ouais, ah, ouais, tu rigoles, ouais, maintenant tu rigoles. Mais il y a 2 minutes, je rigolais plus. Attends, faut que je mette la vitesse. Attends, il y a tout qui tombe. Arrête.
T'es pas gentil d'être méchant avec moi. Hein. T'es pas gentil d'être méchant. Hein. Je dis que moi aussi j'avais la trouille. Bah oui, c'est vrai que t'as eu la trouille. Non. Tu m'as même autorisé à rouler vite. C'est oui, pas, oui. C'est pas peu dire. Hein. C'est pas peu dire. Et là, je lui ai dit j'ai une bonne excuse pour rouler vite. Il m'a dit oui, j'ai une bonne excuse. Alors, on explique. J'explique. Je m'en vais d'ici. Donc, j'ai fait les vues en drone que tu as vues là à l'instant. Et donc, on part. Et je vois papa, je monte dans la voiture et je ne vois pas et j'oublie l'appareil photo sur le pied derrière la voiture. Et en reculant, j'entends et je sens. Mais bon, je réalise pas. Je refais une marche avant, je m'en vais. Et puis à quoi, 2 km, je me rends compte que j'ai oublié l'appareil photo et que j'ai probablement roulé dessus. Oui, là je rigole, hein, mais bon. Ouais, ouais, là il rigole. Mais il fallait voir sa tête avant. Hein. Il n'avait pas la même tête que maintenant. Moi non plus, d'ailleurs. Non, hein, on a eu peur. Hein. Bon, ben alors, en plus, je pensais que le pied allait être plié, puisque j'ai senti que j'avais roulé sur quelque chose. Donc, visiblement, je n'ai fait que faire tomber le pied. Et donc, alors là, c'est extraordinaire. Je viens, on ne le voit pas sur le parking. Il y a un motard qui nous dit, oui, oui, il y a quelqu'un qui l'a ramassé, qui l'a amené à l'intérieur, parce qu'il s'est dit qu'il y a bien quelqu'un qui viendrait le chercher. L'honnêteté américaine. Bon, ils sont pas tous honnêtes, on va pas faire croire que, mais voilà, l'appareil photo était là. Et là, il faut que je rentre sur l'autoroute. Excuse-moi, je l'accélère. Hein. Là, encore une fois, bon prétexte là. Ça veut dire le pont là, comme il est beau. Là. J'ai vu. Bon, alors tu continues toi. Donc, l'avantage, c'est que maintenant, ben oui, l'histoire, c'est que j'ai pu récupérer mon appareil photo et je peux te parler maintenant. Voilà, sinon, ben. Mais c'était fini. C'était la fin des haricots, quoi. L'avantage, c'est qu'en partant par là, en sortant pour venir au plus rapide, c'est que j'ai vu un centre commercial. On va pouvoir s'acheter à boire. Oui, parce qu'il fait soif. Oui, il fait soif. Il fait 33 degrés quand même. Il fait soif. Bon, ben. T'as un petit creux? Non, j'ai un petit soif. À chaque fois qu'on voit un panneau avec de la nourriture, t'as un petit creux. On se le dit au moins 20 fois par jour. Et quand on voit un panneau avec des hôtels. Tu veux faire une sieste? Tu veux faire une sieste? Enfin, moi, je suis pas fatigué. J'espère que demain, ça va terminer. Il va pas encore avoir une autre surprise. Hein. Alors, attends, il y a encore la journée. Il est que 15h, enfin 16h moins 10. C'est une fois par jour. Hein. Hier, l'essence. Ah oui, mais je peux monter en puissance. Je peux faire ça deux fois par jour. Ton pognon? Ben écoute, pas encore tout à fait, mais ça commence, je commence à en avoir pour mon pognon. Ouais, tu es là toi. Tu voulais l'authentique? Ouais, ben ça tu vois, ça c'est l'authentique, c'est la 66. Voilà. Ça, les. Tout, parce qu'il y a des nouvelles maisons, il y a des belles maisons sur la 66, mais ça c'est la 66 des années 50 et avant, encore avant. Ah oui. C'est ça que je voulais voir, tu vois. Bon. Mais on se rend compte que sur la 66, il y a de superbes belles maisons. Bon, on continue parce que comme c'est parti là, on est pour 15 jours. Bah, écoute, hein. Moi je t'attends. Hein. Ah bon, pardon. Milkshake à l'américaine, grand, énorme, mais il est bon, il est très bon, vraiment il est bon.
Il y a quelque chose pour toi. Oh, wait, you don't have anything to catch on fire. C'est ça, t'as plus de cheveux à brûler. Allez, on y va. Moi, je te connais pas. Hein. Tu me connais pas? T'es qui, toi? En Oklahoma, on vient de Joplin et l'autoroute, donc l'interstate, est payante, donc on passe par le péage. Et alors ici, apparemment, ils te font confiance. Ouais, parce que tu rentres dans l'autoroute, il n'y a pas de ticket, puis on te demande d'où tu viens. Mmh. Et moi, je regarde le panneau là, je dis du moins cher. Du moins cher de Joplin. Et hop, $1. Bon, ce qui est vrai, mais dans l'absolu, on aurait pu raconter n'importe quoi. Mais c'était vrai quand même. Elle nous aurait cru, il n'y a pas de ticket, il n'y a rien quoi. Donc, donc en fait. D'où vous venez? Le moins cher. Moins cher. Joplin. Ben, au revoir Springfield. Ouais. Aujourd'hui, Oklahoma City, route 66. Ah, et c'est vert en plus. Attends, parce qu'il faut aller dans quelle direction? Là, voilà, Joplin, c'est bon. Direction de Joplin. On prend la 44, direction la 44 pour reprendre la route historique, route 66. On chante un peu comme nos pieds. T'as une tête de quelqu'un de fatigué. Non, je suis pas fatigué. Moi, j'ai pas besoin de dos.